Voilà. Selon mes dernières volontés, tu pourras gambader dans ce jardin que tu aimais tant. Allez, vas-y. Chut, laisse-la. Elle va y arriver. Pardon. Et merde. Ta gueule. Je trouve plus ma lance. Vous ne l'auriez pas vue? Non. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Bah, il y a des légumineuses et un panier de blé rouge que je viens de ramasser. Bon bah je vais pêcher. Bah oui, pas de feu. Oh puis pas de viande crue, hein. La dernière fois, on a tous été malades comme des chiens. Comme des quoi? Des chiens. Animal pollué à quatre pattes. Bref. Tant que père sera pas revenu avec le feu, on est condamné au sushi. Bon, j'y vais. Puisque la survie de la tribu en dépend. Peut-être que je m'épile, moi. Oh là. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'es folle? Ça va pas, on peut pas sortir comme ça. Oh, t'es chiante, hein. Là, on va vraiment être en retard. Bon, on descend, on t'attend dans la voiture. Ah non, vraiment, elle exagère. T'as vu sa tronche? Non mais moi je suis sûre qu'il viendra pas aujourd'hui. Ça fait trop longtemps qu'on attend là. Eh au fait, il est quelle heure? Hein? Pourquoi êtes-vous accompagné aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui on est là exceptionnellement parce que notre ami a une extinction de voix. Voilà, donc on va faire la traduction. On est très copines. D'accord. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ah ben comme vous voyez, ça ne va pas du tout. Mais encore? Mais encore? Elle est barbouillée. Oui, alors en même temps, avec tout ce que t'as bouffé hier soir, en plus t'as pris 3 cognacs en digestif. Mais non, c'est pas vrai. Et voilà, elle ne peut plus rien avaler. Oui, ça à mon avis, c'est les remontées gastriques. Ouais. Elle veut parler du fameux week-end où on est parti faire du camping. Oh, elle fait mille de ses cuisses. Mon Dieu, elle était déchaînée, elle gigotait sous la tente, on a dû sacrifier. Oh là là, c'était l'horreur. Ah là, elle se gratte juste l'oreille. Parce qu'elle boit trop, elle a décidé de ne plus se nourrir et tout ce qui lui reste à faire, c'est de dormir. Mais non. Docteur, en fait, elle a un vrai problème avec l'alcool. Mais oui. Mais je comprends ça difficile pour toi, mais... Mais il est là pour ça, il faut que t'en parles. Mais oui, ça va te faire du bien. Regarde, elle, quand elle a eu ses problèmes avec la drogue, elle est allée en parler. Et aujourd'hui, je vais bien. Non, le suicide, ça ne sert à rien. Non, c'est pas une solution. Mademoiselle, s'il vous plaît, je crois que ce qu'essaye de dire votre amie, c'est qu'elle souffre d'angoisse chronique. Elle ne mange plus, elle ne dort plus.
Et ce, depuis qu'elle est victime de violences conjugales. Et ce qu'elle a exprimé en dernier lieu, c'est qu'elle veut réellement vous tuer. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Ah ben moi, je kiffe le dimanche.